Bonjour à tous et bienvenue au bulletin mensuel vlog du mois de juin, attaquant des histoires de grâce, célébration et reconnaissance pour notre Seigneur. Nous sommes au mois de juin. Le mois de juin est le mois de sensibilisation pour les enfants. C'est pour la simple et bonne raison qu'à mon église, le groupe ministère de la prière dirigé par Sœur Higuette a déclenché une semaine de conférences de prière pour prier pour les enfants et pour honorer les frères et sœurs que le Seigneur a utilisés pour son travail durant le temps difficile de COVID-19. En plus, nous avons un témoignage palpable de la sœur Angéline Charles, la femme du pasteur Ira, où elle a témoigné de sa reconnaissance envers Dieu pour l'avoir protégée pendant que des cartouches ou des coups de feu tiraient sur elle, en créole, je dirais, des balles. Quoiqu'elle a pris une balle au pied, mais elle est très reconnaissante à Dieu d'avoir épargné sa vie. Oui, au début, on a parlé de la semaine de prière déclenchée par le ministère de la prière à l'Église. C'est de là étant que nous allons attaquer l'importance de la prière où nous pouvons tous avoir de l'accès à Dieu pour avoir une relation intime avec lui. Vous déjà demandé pourquoi beaucoup de nos leaders spirituels nous demandent toujours de prier? C'est parce que, en tant que chrétien, la prière est une partie essentielle de notre marche avec Dieu. Dans son livre « With Open Hands » is in English, by Henri Nguyen, il nous parle de l'importance de la prière. J'ai lu que la prière peut créer une porte ouverte où tous peuvent avoir accès pour entrer dans une relation intime avec Dieu. Cette phrase m'a profondément frappée. Et j'ai commencé à me demander pourquoi devrions-nous être poussés à prier si un tel portail est pour la connexion divine pour nous? Un tel espace nous permettrait-il de partager tous les aspects de notre vie avec Dieu, de nous repentir et d'être victorieux dans les luttes de chaque jour de notre vie? C'est une opportunité que nous devrions tous exploiter, tout à fait. La prière est en effet vitale pour votre vie chrétienne. Si nous voulons exploiter la grâce de Dieu et être victorieux dans nos luttes de la vie,
Il faut que nous comprenions que c'est très important de prier en toutes circonstances, même sans cesse, comme Daniel a tracé l'exemple pour nous. Dans Daniel 6, verset 10, Daniel se mettait à genoux pour prier 3 fois par jour. Il savait que c'était seulement par la prière qu'il pouvait remporter la victoire sur l'ennemi. C'est de même pour nous. Nous devons prier quotidiennement pour être victorieux. Soyons tous honnêtes. Combien de nous qui n'ont même pas un moment spécial dans la journée pour être avec Dieu et pour partager les aspects de notre vie avec lui, nos circonstances, nos problèmes. Suivons-nous tous ce grand exemple de Daniel. Disons-nous tous que nous allons mettre de côté du temps pour être avec Dieu tous les jours de notre vie. Voilà, c'est le moment de notre rubrique de témoignage des histoires de grâce à travers des célébrations. Comme dit avant, nous avons un témoignage palpable de la sœur Angéline Charles, la femme du pasteur Hiram Charles, où elle a témoigné de la reconnaissance envers Dieu pour l'avoir protégée pendant que des balles tiraient sur elle dans un endroit où elle a été le 4 juin dernier à un mauvais moment. Quoiqu'elle a pris une balle au pied, mais elle est vraiment reconnaissante à Dieu de l'avoir épargnée. Elle explique que c'est vraiment un miracle pour qu'elle puisse toujours en vie. Elle a aussi dit que c'était pas des anges que Jésus a envoyés. C'était lui-même qui descendait pour lui épargner de toutes ces balles qui tiraient à son endroit. Sœur Charles, j'aimerais prêter ma voix et celle de mes frères et sœurs à l'église Péniel pour remercier le Seigneur pour toi de t'avoir échappé de cette de toutes ces balles. Nous donnons gloire à Dieu pour toi. Gloire à notre Seigneur, pour notre sœur Charles. Alléluia. Nous avons aussi des histoires, des personnes de notre siècle qui fêtent leur anniversaire de naissance et de mariage. C'est tout à fait une grâce et je découvre beaucoup de joie quand nous pouvons célébrer avec des couples qui célèbrent leur anniversaire de mariage et des personnes qui fêtent leur anniversaire de naissance. Alors, c'est une question de grâce, tout à fait. Allez, regardez.
C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce témoignage de l'intervention directe de notre Seigneur pour notre sœur vous stimule et vous confirme dans votre propre foi en Dieu pour sa promesse de protection divine toujours. J'espère aussi que vous avez été bénis d'une manière ou d'une autre. Comme vous le savez déjà, ce bulletin vlog et le tournée Gratitude pour sa grâce est conçu pour partager des histoires de grâce. Si quelqu'un souhaite partager aux autres, avec les autres, l'évidence de la grâce étonnante de Dieu dans sa vie et vous êtes dans notre secte, n'hésitez pas à nous contacter. Également, si vous ne l'avez pas fait encore, n'oubliez pas de souscrire en cliquant sur la cloche pour être notifié de toutes nos futures vidéos. Toujours plus de grâce et de paix en nous accrochant à Jésus notre Seigneur. Alors, je vous remercie infiniment tous pour votre soutien et je vous dis à la prochaine pour la vidéo du mois prochain. Au revoir!